trois critères pour un monde qualifié pour le programme qui fait venir. C'est un, lorsque tu es rentré dans le pays, ou pas de gagner un année fort, ou pas de gagner aucun saut dans passeport, ou pas de gagner aucun statut légal lorsque tu es rentré dans le pays. Deux, ou gagner 10 ans de pouvoir vivre dans le pays, et 10 ans ça, ou déjà gagner dans la date 17 juin 2024, si elle garde ou déjà gagner, et pas après ça, venir. Et puis deux, ou déjà marié avec un citoyen américain dans la date 17 juin 2024 ou bien avant ça. OK? Donc, nous tout comprendre que moun qui rentre sous frontière là avec CBP 1 qui te gagne un an fort, décision ça pas concerné. Moun qui rentre dans programme Biden qui gagne un an fort, qui rentre légalement dans pays là, décision ça pas concerné. Moun qui t'est venu dans pays il y a des années de cela mais au te gon visa touriste, yo vini avec, yo rete avec dans pays là, décision ça pas concerné. Moun qui pas marié avec un citoyen américain, décision ça pas concerné. Et enfin, moun qui gagne moins que 10 ans depuis à vivre aux États-Unis, décision ça pas concerné. Décision ça concerne un groupe restreint de moun qui t'est qu'on obligé retourner dans pays côté au sorti pour attendre résidence là malgré yo marié avec un citoyen américain.